Frèm sèm, bonjour. Nous comptons ensemble avec vous matin, qui c'est dimanche 21 janvier, pour nous capables ensemble étudier leçon école sabbat. Juste avant de commencer, nous invitons pour baisser tête pour nous capables prier. Éternel Dieu, Père des cieux, Papa nous qui sommes dans le ciel, merci pour grâce, merci pour l'amour, merci pour la nouvelle journée ça que vous accordez nous, alors que nous allons étudier parole, nous avons demandé pour nous imprégner de cet esprit, qu'on s'en va comprendre. Et mettez en pratique tout ça qu'on voulait enseigner nous matin. Avec nous, dirigez-nous. Ne pas vous dire, mais si nous prions, c'est notre petit tout Jésus qui vit qui est au siècle des siècles. Amen. Bienvenue une autre fois encore, Frère Maxime. C'est la quatrième leçon que nous avons étudiée. Et bien, la quatrième leçon, il y a pour titre L'Éternel entend et délivre. L'Éternel tendait et l'y délivrait. Verset à mémoriser, c'est dans Somme 34, verset 17 que nous jeunes. Il dit quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Les justes crient, bon Dieu tendait et l'y délivrait dans toute détresse. Que yoye. Amen. Alléluia. Eh bien, pour journée, jeudi, dimanche, 21 janvier, à titre de c'est mon corps n'était point caché devant toi. Mon corps n'était point caché devant toi. Comme pas caché devant. Eh bien, c'est titre leçon 1 pour journée, jeudi, dimanche, 21 janvier. Demandez-nous pour nous lire le psaume 139, les versets 1 à 18. Et vous posez nos questions. On dit, qui Jean, passage ça, yo dépeine façon poétique et puissance bon Dieu présence li et bonté li et qui j'en tout bagay ça décrit la puissance de Dieu et sa présence et sa bonté disons qui j'en texte ça yo décrit la puissance de Dieu sa présence et sa bonté et qui sa texte ça yo verset ça yo dit de la grandeur de Dieu à propos de ses promesses. Eh bien, Frère Maxime, nous avons lu le psaume 139, verset 1 à 18. Et c'est un psaume qui est vraiment intéressant, son psaume de David. Et son psaume qui lit et dans des services dans le temple, parce qu'il dit au chef des chantres, ça dit chef chantio, il campé pour réciter psaume ça. Et le psaume a commencé, il dit Éternel, tu me sondes et tu me connais. Éternel, wap sondem et ou konem. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Ou qu'on est l'aime chita, ou qu'on est l'aime campé, ou pénétrer pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies. Ou qu'on est l'aime marcher, ou qu'on est l'aime coucher, ou pénétrer toute route que moi fais. Et car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Moi, pourquoi même dit yon bagay, déjà, ô getan connais tout ça que moi envie dit. Eh bien, nous voyons que, et à travers la leçon aujourd'hui, nous parlons que gens que nous pas cachés devant Dieu et que mon Dieu lui-même, lui connaît nous dans notre intégralité. Il dit, nous, avez-vous déjà voulu aider quelqu'un sans avoir les moyens. Est-ce que ça pas arrivé que on envie aider un monde sans que pas gain moyen pour aider là? Et yo dit nous de même gain monde qui essayer aider mais yo pas comprendre besoin, yo pas connaître qui sauve en réalité. Yo dit nous contrairement même aux personnes les plus aimantes et les plus intentionnées, Dieu a à la fois une parfaite connaissance de nous et de notre situation. Eh bien, contrairement à moun qui t'a vle de nous, mais qui par contre qui ça nous besoin, même si on a une bonne intention, eh bien, bon Dieu lui-même, il a une connaissance parfaite de nous-mêmes et de situation nous, et de qui gens est capable d'aider nous. C'est pour ça, et promesse que lui fait nous pour aider nous, promesse de délivrance que lui a à l'égard de nous-mêmes, c'est pas des promesses superficielles, mais c'est des assurances fermes. Je dis nous, la connaissance de Dieu, et que bon Dieu gagne de salmis là, li si grande et unique que même dans ventement mal, li pas ka cacher de la face de Dieu. Chers frères et sœurs, ça son gros bagay. C'est dit que pas gen moyen pour nous cacher de la face de Dieu. Pas gen moyen pour bon Dieu pas atteindre nous parce que même dans ventement nous, bon Dieu capable atteindre nous. Ça montre que dès l'enfance, avant même que nous venions à l'existence ou bien nous fêtons, nous dans votre maman, nous,
Bon Dieu qui est à prendre soin nous, qui qu'on nécessite nous, c'est ça qui fait nous que des fois les on dit une fille pas enfantée, fille en lit pas accoucher, diable a fait, Satan le diable a fait toute manipulation possible pour essayer et permettre que bébé ça pas venir à l'existence, mais bon Dieu qui sonde nous-mêmes dans le ventre de notre mère, eh bien, lui protéger nous, lui permettre que nous passer 9 mois, lui permettre que nous grandir jusqu'à ce que nous venions à l'existence. Et nous, la connaissance divine se rapporte au temps. Là, nous lisons dans Psaume 139, le verset 2, il dit, tu connais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. C'est-à-dire que la connaissance de Dieu sur nous, elle est liée au temps, elle est liée à l'être intérieur, elle est capable de sonder nous, elle est tout en dans nous, à l'espace. Et c'est ça nous dans le psaume 139, le verset 3. Qui ça le verset 3? Il dit, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Donc, nous que seul, yon Dieu omniscient, omnipotent, qui a gagné attribution ça yo. Donc nous voyons que et à l'existence entière et dans toute existence nous et même Jean David dit lui eh bien bon Dieu connaît toute existence nous. Il dit nous la merveilleuse sagesse de Dieu est le résultat de sa création et de son étroite connaissance avec et connaissance des humains et cela se manifeste dans le soin qu'il leur apporte. C'est dit que nous voyons que la sagesse de Dieu, c'est-à-dire que l'intelligence de Dieu, c'est le résultat de création et de connaissance qu'il gagne de nous-mêmes. C'est ça qui fait que il est capable de prendre soin de nous. C'est ça qui fait que c'est lui-même et qui connaît nous en réalité parce que c'est lui-même qui fait nous, chers frères et sœurs. Je dis nous, en effet, par la foi en Jésus, nous avons reçu sa justice, la justice de Dieu lui-même. Selon Romains 3, verset 5 et verset 21. La présence de Dieu est soulignée par sa description comme atteignant le séjour des morts. C'est-à-dire, Dieu pénètre même le séjour des morts, ça veut dire le Sheol, ou bien la tombe et les ténèbres. Hein? Psaume 139, verset 8, verset 11, verset 12. C'est-à-dire, même le séjour des morts. Moun ki poko mouri poko kon, pa konnen sa ki gen dans le séjour des morts. Eh bien, Dieu il pénétrer le séjour des morts. Eh bien, puisque bon Dieu dit qu'a pénétré le séjour des morts, eh bien ça montre que c'est seul lui-même qui est capable de ressusciter les morts. Amen. Alléluia. Eh bien, je dis nous, sa présence est également décrite comme prenant les ailes de l'aurore, l'est pour atteindre l'extrémité de la mer. Là, il a parlé nous de bon Dieu qui a parcouru l'est à l'ouest. Il a parlé de les ailes de l'aurore, il a parlé de l'est côté soleil a levé et jusqu'à l'extrémité de la mer qui c'est l'ouest côté soleil a couché. C'est belle bagaille. C'est-à-dire que la puissance de Dieu est pour parcourir même je ne vois que et la lumière en fraction de seconde et nous voit que yon lumière qui a parcouru et en pile distance plus précisément si n'a prend une distance que la lumière capable parcourir et 300 000 km dans une seconde. 300 000 km dans une seconde. C'est-à-dire que si nous considérons des pays, des grands pays, c'est-à-dire des pays qui gagnent de large superficie, tant que le Brésil et tant que la Russie, nous voyons que dans une seconde, et la lumière est capable de parcourir une distance à ça. C'est pour montrer l'immensité de la grandeur de Dieu. Eh bien, description ça yo que bail dans le son hein, et que ce soit dans Psaume 139 verset 9, que ce soit et dans Psaume 139 verset 8, 11 et 12, c'est pour traduire vérité selon laquelle pas gain côté, pas gain endroit dans l'univers là côté que nous capable hors de la portée de Dieu. Ça dit pas gain côté nous capable cacher de la présence de Dieu, chers frères et sœurs. Je dis nous, Dieu, avec sa connaissance parfaite de nous, peut nous aider et nous restaurer. La prise de conscience de sa grandeur suscite chez le psalmiste un élan de louange et de confiance renouvelée. Chers frères et sœurs, c'est dans bon Dieu ça qu'on a confiance. Il y a un bon Dieu qui est omniscient, omnipotent,
Yon bon Dieu qui connaît qui j'en fait, yon bon Dieu qui pénètre, yon bon Dieu qui pénètre le séjour des morts, yon bon Dieu qui capable de parcourir des distances extraordinaires dans une fraction de seconde, Dieu encore plus rapide que la lumière, d'ailleurs c'est lui-même qui crée la lumière. Chers frères et sœurs, pour qui ça, ou pas décider de faire bon Dieu sa confiance dans les problèmes, les difficultés que vous gagnez. Je dis nous, pour finir, je pose une question, je dis, pour certains, le fait que Dieu en sache autant sur eux, y compris leurs secrets les plus sombres, est une idée plutôt effrayante. Pourquoi l'évangile est-il alors notre seule espérance? Gen moun konnen que bon Dieu gen toute information sa sou yo, konnen que bon Dieu et li konnen secret ki pi et caché que yo genyen, ça li capable à faire yo peur. Mais pour qui ça l'évangile, c'est seule espérance que nous gagnons. Chers frères et sœurs, et le fait que bon Dieu capable sonder nous, li pas supposé faire nous peur, au contraire. Nous supposons content parce que seul le monde qui connaît nous en réalité, c'est seul lui-même qui est capable de délivrer nous. Des fois, nous pas même mettre mots sur ça nous senti. Nous pas même quand même mettre exprimer à travers des paroles problèmes que nous gagnons. C'est ça qui fait que bon Dieu lui-même, avant même nous exprimer, c'est ça qui fait que des fois nous a prié et nous parler c'est vrai. Mais des fois, bon Dieu connaît réellement qui ça nous senti. Des fois, nous avons pris à haute voix. Ce n'est pas tout bagaille nous envie dit. Parce que l'autre monde qui attend de nous, nous peur que nous allons juger nous. Mais l'Éternel, il sonde les cœurs et les reins, il connaît profondeur nous. Il connaît tout ça nous penser. Donc, Dieu est capable d'aider nous réellement parce que il connaît ça nous besoin. Et bien, chers frères et sœurs, petite leçon. Matin, c'était mon corps n'était point caché devant toi. Donc, nous pas cachés devant Dieu. Nous sommes livres ouverts devant Dieu. Eh bien, puisque c'est ainsi, en nous, abandonnez-nous totalement à lui. Parce que c'est lui-même qui a une solution à tout problème de nous. En nous baissant tête, nous pour nous prier. Éternel Dieu, merci parce que où sont des nous, Seigneur? Où sont des les cœurs et les reins? Merci Seigneur Dieu parce que avant même nous penser, avant même nous exprimer par des paroles, ça nous sentit ou déjà connaît tout ça qui est en dedans nous. Seigneur, fais-nous reconnaître que où c'est bon Dieu. Fais-nous connaître que c'est à nous-mêmes et à nous-mêmes seuls que nous devons crier, c'est à nous-mêmes et à nous-mêmes seuls nous devons et délaisser tous nos fardeaux parce que nous-mêmes ou gagner la solution. Papa, avec nous bénis-nous. Gien pitié pour nous pardonner faute nous pardonner péché nous. Nous pas bon nous pas gien mérite. Mais si nous prions c'est dans notre petit tout Jésus qui vit qui est au siècle des siècles. Amen. Merci et merci encore une fois chers frères et sœurs. Nous t'es contents avec vous matin. Nous invité pour partager le son ça avec l'autre monde de manière à ce que vous même tu capable toucher de message ça. C'était frère Ismaël chéri. Que bon Dieu bénisse.